Bonjour, on est sur le village de Temeng et on peut voir ici une action concrète qu'a menée Vision du Monde. Donc en 2014, les villageois étaient encore à puiser l'eau dans le puits et depuis 2014, grâce à une station de pompage qui a été installée par Vision du Monde, tous les villageois ont pu bénéficier de l'eau potable et l'État en 2019 est venu en appui, enfin Vision du Monde appuyait ce que faisait l'État et donc depuis 2019 l'État a mis à l'entrée du village un château d'eau et aujourd'hui tous les villageois ont l'eau courante dans toutes leurs maisons. Donc c'est un beau progrès en 5 ans de passer d'un puits où l'eau n'était pas potable à une station de pompage avec de l'eau potable et maintenant un château d'eau et chaque villageois a dans sa maison l'eau potable. Merci Guillaume. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices concrets directs pour les femmes notamment ? Comme nous l'ont expliqué ici les villageois, les femmes déjà, il y avait un gros taux de mortalité prénatale parce que c'est un effort très très lourd de soulever l'eau du puits. Ensuite, elles récoltaient de l'eau qui était pas potable, donc avec toutes les maladies qui vont avec. Et donc depuis, c'est quand même un grand confort. Il n'y a plus de soucis de malnutrition et de maladies liées à l'eau non potable, que ce soit pour les enfants ou pour les mères, bien sûr. Et elles ont comme ça un petit peu plus de temps aussi pour s'occuper de leurs enfants. Merci. De rien.